chérie, salut. Alors aujourd'hui je suis venue avec une nouvelle tuto pour vous présenter quelque chose que j'ai divisé. Bon. Alors vous savez, toutes les femmes, on a pas toutes, mais la plupart d'entre nous, on a des vergetures. Alors on a des vergetures à cause des grossesses. Il y a des vergetures, c'est à cause des grossesses. Les vergetures, c'est parce qu'on a pris du poids. Alors moi, j'ai eu des vergetures à cause de mes grossesses. Pour vous dire que j'ai accouché 3 fois. Je suis une maman de 4 enfants. J'ai eu 3 grossesses. Et ma deuxième grossesse, je faisais pratiquement plus de 100 kilos. Bon, alors aujourd'hui, c'est pas le moment de parler du poids. Aujourd'hui, c'est le moment de parler des vergetures. Alors, pour vous dire, j'avais des vergetures. Le ventre, les cuisses, la hanche, j'en avais partout. Alors, ce qui m'a sauvée, j'ai traîné mes vergetures pendant quelques années. J'ai encore quelques vergetures, mais j'ai pu m'en débarrasser avec du Vicks VapoRub. Alors, le Vicks, je l'ai utilisé pour masser une vergeture. Quelqu'un m'en avait parlé, j'ai essayé, mais franchement, ça marche très bien, mais il faut être patient parce que ça ne marche pas dès la première semaine ou dès la première quinzaine. Au bout des 15 jours, ça ne fonctionne pas tout de suite. Il faut être patient. Alors moi, comment je l'utilise? Je prends du Vicks VapoRub, comme ça, là. Alors, ça, c'est... Moi, je vais faire sur mon bras pour vous montrer. Ça, c'est la crème. Je prends, je mets sur ma cuisse, je masse bien dans le sens de l'aiguille d'une montre. Je masse bien tout autour sur ma cuisse. Là, je fais sur mon bras pour vous montrer, mais c'est sur la cuisse que je le fais, ou sur le ventre, à l'endroit où vous avez des vergetures. Vous l'utilisez, vous massez très bien, vous l'étalez, voilà. Vous voyez, c'est bien étalé là. Et après, vous prenez du cellophane, papier film alimentaire. Et je m'essuie les mains parce que j'en ai plein les mains. Voilà, je m'essuie les mains. Et là, je prends du cellophane. Hop, je vais y arriver. Oh, je déchire mal. Oh là 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 là. Voilà. Du cellophane, vous prenez. Waouh, waouh, waouh. Ça prend du temps, ça. Et là, comme c'est sur la cuisse que vous le faites, vous passez tout autour. Vous emballez comme ça, bien comme il faut. Hop. Et vous déchirez après. Alors vous savez, bon, sur mon bras, je suis un peu gauche là. Mais sur la cuisse, quand vous mettez, vous étalez votre crème, votre Vicks VapoRub. Et après, vous... Après avoir bien massé, bien l'étaler à l'endroit où vous avez des vergetures. Et vous prenez du cellophane, vous emballez, c'est dire emballer, mais vous mettez sur votre cuisse ou sur le ventre, vous entourez le ventre ou sur les cuisses, vous faites ça cuisse par cuisse. Après, vous mettez un caleçon. Si vous pouvez le garder pendant toute la nuit, ah bah, c'est encore mieux. Mais vous pouvez le garder 3-4 heures dans la journée quand vous êtes chez vous, vous faites votre ménage, ou le soir ou l'après-midi, si vous faites votre sieste, si vous êtes chez vous, vous l'utilisez à ce moment-là pour sur les vergetures, mais ça stimule, ça booste à l'endroit où vous avez les vergetures, mais vous sentez que le Vicks, ça travaille sur votre peau, ça vraiment, ça stimule. Alors franchement, moi j'ai utilisé du Vicks pendant quelques mois. Bon, là maintenant, franchement, mes vergetures sont complètement atténuées. Il y en a qui sont pratiquement 10. Le résultat, vous n'aurez pas tout de suite. Il faut attendre, il faut laisser un laps de temps. C'est comme quand vous prenez un traitement, et bien, le traitement ne fait pas l'effet du jour au lendemain. Il faut laisser le temps pour que ça fasse des effets. Mais franchement, ça fonctionne très bien, ça fonctionne du tonnerre. Je vais vous dire merci pour votre participation, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées, pour toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires. Merci à vous, c'est grâce à vous que j'avance. Et je vous dis, n'oubliez pas de liker, de partager et de mettre des commentaires. Et surtout, vous n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche. Parce que si vous n'appuyez pas sur la cloche, vous n'aurez pas mes tutos quand je mets les vidéos en ligne. Vous n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications. Mais je vous dis merci les chéris et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!